Willy, comment ça va? C'est le dernier acte au moins. Hein? C'est le dernier acte au moins. Attention derrière, je suis sur l'escapot, merci. Attention, je sais comment ça va, c'est bon? Oui, attendez, je ne vais pas vous... Monsieur Vous va se présenter en bas. Attention, ça prend. Moi, je pense qu'on est encore très loin de communauté européenne, hein, parce qu'en Italie, quand on triche dans le sport, on est condamné à 3 mois avec sursis, par exemple Pantani, sans dire son nom, et ici, non. Et je pense que si longtemps qu'on ne fait pas ça en France, le dopage continuera. Attendez une seconde, tout le monde se met en place, on va attendre. Ça y est. Doucement. Je suis satisfait de la heureux et satisfait de la décision qui a été prise, je le relaxe. Pour ma part, ça a été une procédure qui a été très longue. Au bout de 2 ans et demi, non, le micro là. Je sors avec une relaxe, donc je suis content et il y a une autre échéance qui arrive, c'est pour la fin de l'année, donc pour moi. De vendredi prochain permettra de savoir si ma carrière continuera ou elle s'arrêtera. Un autre procès. Les a débuté dans une partie en tout cas. Néanmoins très mesurée cette sanction au regard des réquisitions du procureur de la République, je m'attendais à avoir à peu près ça, donc je ne suis pas autrement surpris, et comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais le directeur sportif, donc sur le papier le responsable, même si l'équipe, et par rapport à ce qui lui est reproché, fonctionnait de manière collégiale et donc avec un souci sanitaire néanmoins, mais bon, non, je ne suis pas surpris.